Andreas, first of all, congratulations. Andreas, d'abord, félicitations. Watch for Andreas in this stage because he wants this, right? Qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter de mieux? Il n'y a que gagner. Ouais, ça a été une victoire importante mais difficile. J'ai raté le tour, donc j'étais vraiment focalisé sur la Vuelta et d'ailleurs sur cette étape. Cette victoire, elle veut beaucoup dire pour moi, pour l'équipe, surtout qu'on vit des moments difficiles depuis quelques jours, vous le savez. Donc cette victoire, elle veut beaucoup dire. You had a huge setback. I mean, we don't have the words for that when you lose a teammate. On n'a pas de mots à vous donner quand vous perdez un coéquipier, mais aujourd'hui c'est une victoire pour lui. Ouais, je ne connaissais pas Tail de Decker personnellement, mais beaucoup de coureurs de l'équipe et de membres de l'équipe le connaissent parce qu'on est un vrai groupe. C'est vraiment un moment qui nous a brisé le cœur. Et qui continue de nous briser le cœur, mais nous, on veut montrer qu'on continue de se battre en tant qu'équipe. Il va nous manquer, tout le monde le sait. Il va manquer à tout le monde et on ne l'oubliera jamais. J'aurais aimé le rencontrer, mais on va quand même continuer de se battre pour lui. Qu'est-ce que cette victoire signifie aussi pour vous, pour l'équipe ? D'un côté sportif, ça veut dire beaucoup parce que c'est quand même une superbe victoire pour l'équipe. C'est très grand pour nous. Mais c'est vrai que c'est difficile pour l'ensemble du groupe. On vit des moments compliqués. On n'a pas envie de sacrifier notre vie. Mais c'est vrai que c'est un métier prenant, on s'entraîne beaucoup.